m'est transporté à l'hôpital après s'être trouvé très très mal. Qui le sortira donc de cet exil, car sa vie ne tient plus qu'à un fil. Il murmure quelques mots que j'ai peine à comprendre, et le sang coule à flot sur son corps dans la pénombre. Un à un, les projecteurs s'allument sans bruit, et le voici plongé dans une interminable nuit. Des mains expertes et averties s'affairent tout autour de lui, des ordres brefs et concis, brisant le silence qui l'enfuit. Le cœur bat à tout rompre, vaine tentative de rattraper le temps perdu, le temps perdu. Tandis que les aiguilles de l'horloge accélèrent leur balai impromptu. J'ai voulu connaître son identité, c'était un commis d'état très haut placé, qui avait intenté un très sévère procès à un pauvre traité qui ne pouvait payer son loyer. Aussi petit qu'un grain de sable, nous faisons notre chemin, sans jamais savoir ce que nous réservera le lendemain. Mordra-t-on la poussière, exposé aux pires intempéries, ou bien abordera-t-on l'hiver, toujours c'est vive la vie. Tout est mis en sursis quand on gît sur un lit avec une perfusion dans les veines jour et nuit. Les montagnes d'argent ne servent plus à rien et c'est l'amour qui à la vie nous retient. Et si jamais du monde il fallait se séparer, on revoit sa vie comme un film accéléré. Est-ce le bien qui l'emporte ou le mal qu'on a fait? On est déjà plein de remords car le bien n'est pas assez. Aussi petit qu'un grain de sable, nous faisons notre chemin, sans jamais savoir ce que nous réservera le lendemain. Mordra-t-on la poussière, exposé aux pires intempéries, ou bien abordera-t-on l'hiver, toujours c'est vive la vie. Alors vous autres, les intouchables, les maîtres du monde, les tout-puissants, au chevet de cet homme qui est aussi comme vous s'imposer, fourbe et arrogant, votre paravent tombé sans doute, alors vous comprendrez l'essence même de cette leçon. On est rattrapé immanquablement et de toute façon par celle qui vous attend patiemment au tournant.